Il va faire beau, il va faire chaud à nouveau ce mercredi, avec du soleil attendu sur la plage de Marseille et un risque de brume de mer. C'est un phénomène justement qui se forme quand l'air très chaud présent sur le continent entre en contact avec la mer très froide. Et c'est donc ce différentiel de température qui crée cette condensation qui peut, comme vous le voyez, gâcher le paysage. Sachant qu'on attend jusqu'à 32 degrés dès demain sur Marseille, avec une eau qui ne dépassera pas les 20 degrés. On attend donc de la brume de mer autour des côtes méditerranéennes, mais aussi dans le sud. Ouest, où on aura le droit à quelques entrées maritimes, notamment sur le Pays Basque. Sinon, partout ailleurs, c'est à nouveau le soleil qui s'impose avec un ciel un petit peu plus voilé déjà en matinée sur l'ouest du pays. Dans l'après-midi, les averses pourront prendre un caractère orageux, toujours du côté des Alpes ou encore pour les Pyrénées. Ailleurs, le ciel restera bien lumineux avec un ciel à nouveau assez voilé sur l'ouest du pays et qui va même gagner les régions centrales. Température à nouveau en hausse ce mercredi. En matinée, elles seront très douces, entre 12 et 19 degrés. 19 degrés déjà pour Bordeaux ou encore du côté de Nice, 16 degrés à Paris. On attend 16 degrés également pour Brest. Et puis dans l'après-midi, on va gagner 1 à 2 degrés pratiquement partout. 30 degrés pour Paris. Ce sera le cas également à Montpellier, pour Perpignan et jusqu'à 32 degrés toujours pour Bordeaux ou encore pour Toulouse et La Rochelle. Les conditions vont rester vraiment anticycloniques. L'anticyclone qui se décale vers la mer du Nord. Toujours ce flux de nord-est qui va nous concerner pour la journée de jeudi. Un vent assez sensible d'ailleurs le long des bords de Manche. Et puis on a une dépression qui va se creuser sur les Balkans et qui va nous revenir donc par l'est du pays avec des débordements nuageux, des averses orageuses toujours sur les Alpes et puis également des averses orageuses qui concerneront les Pyrénées avec des températures qui resteront assez stationnaires pour la journée de jeudi et de vendredi avec à nouveau beaucoup de soleil sur l'ensemble du pays. Ça restera plus voilé et un petit peu plus perturbé sur le sud-ouest avec à nouveau quelques coups de tonnerre attendus en toute fin de journée, 31 degrés. De moyenne sur la moitié sud du pays. Et puis le week-end s'annonce également très estival et surtout très chaud.